Voilà, salut à tous, c'est Nosband qui vous parle. Comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Far Cry 3. Et oui les gens. Et oui. Et oui les amis. Et oui, Vidéo. Jamy. Non mais c'est quoi ce merdier là? Bon, alors l'anti-crénelage, machin truc, ça sert à rien. L'alpha paramètre, alpha tocovage affecte la qualité du rendu de feuillage et de l'herbe dans les zones de végétation dense. Ouais, standard hein. Et méthode, choisissez la technique screen space ambiante occlusion. L'occlusion ambiante! Oh mon dieu! Oui. Non, c'est la chiasse ça! Voilà, appliqué. Oui. Voilà, j'arrive à obtenir un petit peu plus de FPS dans OBS. Enfin, c'est pas terrible, terrible, hein, mais bon, on fait avec. Bon, du coup, il faut que j'aille parler au chef des raquettes. Ah, d'accord. Bon, j'ai droit à une arme, visiblement. Tout d'un coup, il y a une arme qui a popé dans mes mains en mode bonjour, tiens, voilà une arme. Si t'as envie d'une arme, bah voilà, elle est là. Hein. Il est où le chef des rakiats là? Je sais pas, moi, à chaque fois que je lis rakiat, je lis racaille à la base. Oh mon Dieu. Allez parler au chef des rakiats! Sérieux? Oui. Pourquoi? Pourquoi Peux c'est pas une tout simplement racaille? lui Pourquoi péter? tu le juges comme ça? Oui. Hein, d'abord. Et tu le juges sur quoi? Sur quel point? Sur mon point dans ta gueule. Allez, munitions, remplir l'inventaire. Ah bah tiens, je vais déjà remplir l'inventaire la dernière fois. Je sais même plus ce que je faisais à ce moment-là, je veux dire. Et Comme Far Cry 3, d'habitude. ça me fait tout le temps le coup, hein. Quand je le reprends, je suis en mode, attends, je faisais quoi? J'étais où? Sérieux, je crois que c'est... Il y a des jeux qui me font ça, mais je crois que Far Cry 3, c'est le seul qui me le fait à chaque fois que je le reprends. Et je peux y avoir joué hier, hein. Sérieusement. Oui. Alors qu'on se méprenne pas, hein, j'adore le jeu, c'est pas le souci, mais voilà quoi, j'ai du mal. Je suis perdu. Il est perdu. Je sais pas. Bon allez, on évite de trop martyriser Big Gamer, hein. Mais on martyrise pas. Le pauvre. Hop là. Oh, des chiens! Des chiens qui voient que j'ai une mitrailleuse lourde dans les mains, mais qui hésitent quand même pas à m'attaquer. C'est badass les chiens, hein, dans Far Cry 3. Oh putain la vache. Je sais pas c'est quoi comme race mais ils sont taqués hein, les mecs ils y sont à fond. Non, et puis surtout, je veux dire, Ils ont de l'espoir. normalement, n'importe quelle bestiole, tu tires un coup de fusil, elle se barre. Hein. Oui. Ça peut être un dinosaure que t'as en face de toi, tu tires un coup de fusil, il se casse. Hein. Les Oui. bestioles ont peur des bruits violents. Et dans ce jeu-là, bah, si Oui. t'as un ours en face de toi et que tu lui tires dans la tête, non seulement il se barre pas, mais en plus il continue à t'attaquer. Badass l'ours. Il en a rien à foutre. L'ours il est en Il a une mode. armure. L'ours il est en mode. What did you say, bro? C'est en mode Do it! Do it! Je peux le faire! Lorsqu'il veut ta vie. Ok, bon, En d'accord. l'occurrence, ta mort. Bon, du coup, les gens, on continue toujours l'histoire principale parce que là, j'ai libéré tous les camps de l'île à laquelle j'ai accès maintenant. Du coup, on continue l'histoire principale jusqu'à ce que le jeu décide de nous foutre sur l'autre île. Et à partir du moment où je serai sur l'autre île, bah, ce sera nouveau de la libération de camps, les tours à débloquer, enfin, la routine, Oh, quoi. les petits trucs secondaires qui sont bien utiles, quoi. C'est surtout que c'est secondaire, mais si tu les fais pas, tu vas en chier pour faire les quêtes principales. C'est bien que tu sois là, Jason. C'est C'est pour bien que ça tu que j'ai sois dit là, bien utile. Jason. Le convoi de vase va traverser la ville. On va poser des explosifs pour bloquer la route. Donne-moi le C4, je m'en occupe. Ok. Oh ouais. Non mais Jason, il prend beaucoup trop de plaisir à aller poser du C4 pour tuer des gens. Hein? Je suis sérieux. C'est un terroriste. C'est un terroriste. Bon ok, on va poser le C4. Hop là, comment je pose le C4? J'aime Maintenez, bien le. hop. Oh ouais. Oui, non, mais c'est ce que je dis, il prend beaucoup trop de plaisir. Allô? Salut Jason, c'est Lisa. Je suis occupé là, ça Ah, va? il y a des endroits Je voulais te aussi où prévenir je qu'on poserais bien avance du bien sur le C4, bateau. du style de boîte Tu reviens gratte, quand? mais bon. Je sais pas. Mais tu vas venir, hein? Ouais. Oui, je reviens tout de À suite, hein, bientôt. t'en fais pas. Je suis bientôt là. Je dois juste monter au sommet d'une tour pour poser du C4. Tout va bien, ne t'en fais pas pour moi, Lisa. J'ai des activités normales d'américain normal. J'ai des activités normales pour un Américain, écoute. Faire On est au péter un sommet du petit pain de château d'eau, que le C4. temps qu'on voit tant.
Ah oui, je me rappelle de cette mission, elle est sympa. N'empêche que la dernière fois que j'avais fait cette mission, j'avais pris un... Ces mecs sont pas des pirates. Ils sont pas aux hommes de Vasse. Ça va les mecs? Mais qui c'est ces types? Ces gars ont l'air... Je dirais plutôt que c'est des soldats. Ok. Écoute. Ce que j'adore, c'est que les mecs ils sont attaqués par les rebelles, mais ils me repèrent quand même. Hein. Oui, alors que t'es au sniper. Oui. J'adore ce mec là qui tire en mode NUE! Si j'ai un tête dessus comme ça, je vais bien finir par les toucher! Non mais mec, il te faut combien de balles pour mourir? Je demande. En même temps, j'aime bien le jeu qui te dit attention, hein, t'es repéré, mais ils sont tellement occupés sur les rebelles que. Voilà. Non, c'est bon. Oh non, finalement, elles sont tombées, ils sont trop cons. On a mal fait l'IA, cherche pas. Oui, mec, alors écoute, je vais te tirer dans la jambe, c'est bien aussi. Voilà, il s'est fait buter comme une merde en essayant de venir me choper. Je veux dire, il a plein de mecs à la mitrailleuse devant lui, il essaie de choper le sniper à 30 km de distance. Oui. Alors ça, je suis désolé, c'est juste pas possible. La balle, elle traverse ton bras et tu meurs comme un caca. Hein, en vrai. C'est une balle dans le pied que t'as mis. Oui, oui, bah en même temps, j'ai avec ça. Hein. Le mec, il marchera plus jamais. Avant, il était aventurier. Et ça, c'était avant. Chris, vous allez vous aimer. Je vais vous faire. Excusez-moi. Pas de place. Avant, je marchais. Je me suis pris une balle de sniper dans le pied. Non mais sérieux, putain, ce sniper qui bouge tout le temps. Oui, c'est à la 30 dots en fait. C'est chiant. Bonjour. J'ai loupé quoi? Pas grand chose. Loupé, moi qui tue des soldats sur Parfait 3. Eh là, j'ai enfin reçu mon 3-10 molécules. Tu l'as monté? Oui, et quelle guerre! Tu peux demander à Zephyr. Oui, oui, non, je sais, les refroidissements liquides, c'est de la vraie chiasse, hein, monter. Non, c'était plutôt facile à monter, c'est pas ça, c'est juste que les. Allez, les connecteurs ils se branchaient pas comme il fallait sur mon truc. Et puis Zephyr il m'a dit ah non, tu dois faire ça, 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 et puis c'est rentré. Et du coup, t'as des températures comment maintenant? Je sais pas, je peux encore oser brancher en fait. Je viens de finir de le remonter. Il a tête en quoi du coup pour le brancher maintenant? Bah, j'ai un peu peur de le brancher, j'avoue. T'attends quelqu'un justement pour le brancher, c'est ça? Non, ça va. J'ai juste un peu peur de le brancher. Ouais, non, juste un petit peu. Un peu beaucoup. Alors, Lina, c'est dire qu'il y a pire comme sniper celui de MSG. Hein. MFGS. Hein. Quoi? Je dois rattraper le camion à pied? Mais ils sont tarés! Je veux dire, t'es pas Usain Bolt, hein. Faut pas rêver. Et puis même, hein, Usain Bolt, il peut pas rattraper un camion à pied. Même en courant. Ouais, avec une petite piqûre ça passe. Voilà, j'aurais pu prendre un véhicule, mais bon, hein. Un outil il est nécessaire pour réparer ce véhicule, tout ça parce qu'on veut te forcer à conduire un camion. Bon, en même temps, c'est cool parce que tu peux faire ça du coup. Hein. En mode, ah, vous avez fait des barrages, c'est mignon. C'est mignon, bonsoir, j'ai un camion. Mignon, bien. Voilà, excusez-moi. Un camion? Waouh! C'est vrai qu'il a une bonne poussée ton machin, on dirait un véhicule qui roule pas et finalement ça va quoi. Non mais le truc en fait c'est un char, on s'est trompé. Il avait... Ça gère plutôt bien sa race quoi. Oula! Voilà, excusez-moi, là je vais descendre de mon camion et vous abattre à la mitrailleuse lourde si ça vous dérange pas. Hein. Oh putain, merde! Non! Non! Mais comment? Attends, comment? Comment je suis mort aussi vite? Non mais il est en papier mâché là, Jason Brody, c'est pas possible! Ah oui. Ah oui, tu t'es fait... Waouh! Non mais sérieux, ma vie était au max! Ta vie a été aspirée. Tu t'es fait pomper la vie. Et ouais. Jason, j'aimerais bien que t'aies le réflexe là, comme ça au passage de... Bonsoir Sophie. Tu dois détruire les camions ou tu dois... Je sais pas, je dois monter dedans apparemment. Ouais, donc te voler.
Bon, j'ai 2 minutes 24 pour le rattraper, je dirais que ça va. Bon, tu veux bien monter dans ce véhicule, espèce de connard? Merci. Je me rappelle de cette mission, c'est celle que je trouve la plus chiante du jeu. Je sais pas, moi ouais, je l'ai toujours clairement. Bien aimé perso. Honnêtement, mis à part le je crois que avec celle où tu dois protéger le con là qui est en train de ranger sa maison. C'est dans mon top 2, le top 3 des missions que j'aime pas. C'est dans Far Cry 3. Ouais. Il y a que 3 missions que j'ai pas aimé. Non, cette mission là, c'est chose que j'aime pas, c'est la façon à laquelle. Waouh, ceux-là ils se relèveront plus jamais de leur vie. À mon avis, ils sont passés sous le camion. Oui. Bye. Et là, cette fois, j'ai réglé le problème. Ah oui, j'ai réglé le problème des soldats qui m'ont tué. Ah oui. Ah. Oh, le mec qui a voulu faire une roulade, mais qui a fait sa roulade sous le camion. Mais quel abruti, celui-là. Ah oui, c'est vrai. Mais j'avais oublié qu'il y avait Vaz dans le... C'est-à-dire que le mec, il m'a quand même fait confiance sur le fait que j'arriverais à tuer ses soldats. Hein. Pour que j'ouvre la porte, pour qu'ils puissent m'assommer. La définition que j'ai dû une sacrée chance. Hein. Ou alors il voulait juste protéger le convoi lui-même. Donc, je sais pas. Mais il y a eu des victimes pour lui, quoi. Voilà ce qu'est la folie. Je m'en branle complètement de ton petit speech là. Tu peux essayer de me tuer et de te foirer, s'il te plaît. Comme tu fais à chaque fois. Ça le truc, c'est que. C'est vrai que le mec il est malchanceux jusqu'au bout. C'était vrai. Merci Frédéric Chartier. Partout, je regardais tous ces pauvres connards se remettre sans cesse. Ah, moi je reviens. La même ok, putain ok, de chose. Encore et encore et encore et encore sans arrêt. En se disant, cette fois, ça sera différent. Non, pitié. Cette fois, ça sera différent. Non, non, mais on t'a dit bonsoir, Luvia. Ah non, tu parlais à quelqu'un d'autre. Luvia, elle parle avec Sophie. Ah, d'accord. Ouais. Ok. T'as ta merde dans la tête ou quoi? Tu crois que je me fous de ta gueule ou que je mords tête? Je t'emmerde! Ok? Va! Chier! Ça va, c'est bon. Je me calme. Le hic, c'est que. Regarde. Le hic, c'est que je suis déjà buté une fois. Mais je suis quand même pas complètement taré. Non, non, t'es pas complètement taré, tu utilises la technique des méchants de série B. C'est-à-dire que t'essayes de me tuer, mais tu te casses avant de voir que je suis réellement mort. Ou alors tu voilà. Mets une balle dans la tête, c'est optionnel, sinon oui. Ça va rapidement. Je veux dire, c'est vrai que ça coûte cher une balle, mais quand même, là je t'ai déjà fait tellement chier. Mets-moi une balle. Voilà, une balle, t'as envie de faire des non. Non. Je t'emmerde. C'est bien que tu m'emmerdes, mais je vais quand même me libérer, puis je vais revenir te faire chier. Espace, appuyez rapidement. Ah, les claviers mécaniques, c'est un bonheur pour les micros. Oui, clairement. Ah, oui. Ah, ça fait plaisir aussi. Ah, le viol à l'espace. C'est génial, ce trafic. J'en ai plein le cul de se dégénérer. Oui, moi aussi, j'en ai plein le cul de se dégénérer. Et d'ailleurs, c'est con parce que tout du long, t'es en mode j'ai hâte de lui péter la gueule et le combat final contre Vaz, c'est de la chiasse. Ah, oui, ah, non, pardon. Clairement. D'ailleurs, là, heureusement, je croyais, j'avais pas compris quand, si j'avais vraiment tué ou si c'était autre chose. Attends. Il s'est passé quoi? Oh, non. Voilà. Excusez-moi. Là. Voilà. J'ai eu un sniper à la mitrailleuse. C'est sympa. Ah, attends. Attends, sniper, je reviens. Hein. Je vais juste récupérer les munitions de l'autre. Merci beaucoup. Ah, un fusil à pompe, c'est bien aussi. Hop là, merci beaucoup. Ouais bon, par contre cette mission là elle est méga chiante parce que bien sûr on t'a retiré toutes tes armes. Hein. Bonjour monsieur le sniper, ça va? J'aime bien parce que à chaque fois que t'as le réflexe de prendre quelque chose ou autre, à chaque fois tu mets un coup de gueule avant. Oui, j'appuie sur F en fait. Et maintenant j'imagine chez un brodin quelqu'un qui essaie de lui donner quelque chose et qui lui met un coup de gueule. Oui. En mode tiens un billet de 50, flac, coup de cut. Merci. Mais t'es malade. Bon là il va falloir la jouer un peu fine je pense hein, parce que.
Alors, ce chien là, je sais pas ce qu'il voulait, hein, mais. Merde, j'ai plus de balles! Bon, écoute, j'arrive, mec. Mais merde! Mais j'ai échangé mon arme contre mon arme vide, mais c'est. Oh là là! Ce système est pourri! Oui, excusez-moi, je veux. Oui, non, mais j'essaie juste de récupérer une arme là, je peux? S'il vous plaît, non, mais. Bon, je vais mourir! Je vais mourir comme une merde, je sais pas! Tu me retires mes armes, mais tu me demandes d'attaquer un camp! Je sais pas, donne-moi des armes! Putain, je suis dur. Hein? De quoi? Oh oui. Oh! Oh oui. Oui, oui, bah ça, oh, j'avais dit, hein. Oui, non, Kay a été plus rempli que moi, c'est pas grave, là, je. Oui, non, ah là, je t'ibague, moi, je t'ibague. Ah oh, oui. Parce qu'elle a dit quoi? Elle a dit. Ah, c'est drôle. Voilà, c'est ça. De quoi? Un peu dans le genre. Mais. Enfin, pour la connerie, je sais plus. Si, c'est drôle, là. Voilà. Voilà. Mais. Voilà. Oh oui, le teabag. Non, mais depuis tout à l'heure, je suis en train de survivre à tuer des gens au cut. Alors qu'ils ont des mitrailleuses. Moi aussi, ça montre le skill. Kishira, tu m'as volé un de ces plaisirs là, je t'en veux. La Deman et la Roman, elle. Ah ouais, je pourrais. Oh, mais je pourrais tellement. Bah, j'en passe si jeune. Le pire T-bag par derrière. Mec, je dois économiser des munitions, alors meurs. S'il te plaît, oui, merci. Ça coûte cher les munes. Voilà, bon. Hop. Il fonce vers l'hélicoptère. Oui, il va faire ça, connard. Il va se gêner, tiens. Il y a quelqu'un là-haut? Non, parce que là, j'ai décidé que je laissais personne en vie. Hein? Ah, lance-roquette! Ah! Bah, voilà! Pile poil ce qu'il fallait! Ah, c'est gentil, c'est ça, merci. Et clairement, ce moment est insupportable. Je vais juste me soigner avant. Voilà, on va se faire plaisir. Oh, il y a un sniper là-bas! Au revoir! Merci. C'était sympa, ça. C'était sympa d'être passé, mais bon, hein. J'ai bien le. Oh, il y a un sniper là-bas. Allez, lance-roquette. C'est voilà. Bon, casse-toi. Ouais, oh, ça va pas connaître. Clairement, tu les oublies aux lance-roquettes. Bon, écoute, mec, j'ai pas le temps. Ah, si, j'ai le temps. Visiblement, j'aurais pas dû utiliser mon lance-roquette contre le sniper. Et soigné, c'est un personnage lourd, c'est ça? Oui. Ah oui. Exactement. Génial pour la connerie à chaque fois. Moi j'imagine le mec qui est en train de te viser à coup de sniper qui voit la roquette arriver dans sa face. Oui. Et hop, oh, non, ça, c'est horrible. J'aimerais pas avoir cette vue. Et plus c'est que là il y a un deuxième sniper pour prendre un alpha, c'est génial. 53 secondes, tu peux pas sinon aller directement jusqu'au point sans tuer tout le monde. Je sais pas, je pense que je suis obligé. Putain, je suis censé faire ça comment? C'est tellement impossible! Mais bordel, donnez-moi des armes! Ah oui, non, clairement. Mais putain, les mecs, ils s'attendent à quoi, là? Ah, tu prends un arc pur gamer. Non, mais c'est... regarde-moi ça! Je sors de la rivière, j'ai pas d'armes! Au revoir, connard. Regarde-moi ça, l'arme ne se récupère même pas automatiquement. Oh, c'est plus ça. Voilà, merci, au revoir. Ça devrait être fait normalement de base. Hein. Je crois que les mecs, voilà. Ils s'attendent à ce que tu la fasses en furtif, parce que j'ai pas de compteur quand je la fais en furtif. Le jeu qui t'oblige à le faire furtif. Coup de cut, il passe comme ça. On va faire le tour, ok, pour aller au maximum. Ah, les coups de cut, ils sont sexy quand même, hein. Ah, t'as chopé un cutter rouillé. Bon. Au moins, s'il meurt pas du coup de cutter, il mourra d'autres choses, hein, écoute. Il y a Frédéric qui te demande s'il a essayé par Fight 4. Non. Je pense mieux. Je pense mieux. Oui, j'ai évité de commenter là-dessus.
Ouais, mais nous, comment on a le décalage. Ah non, mais c'était très très marrant de te voir essayer de Kyoto. Hein. Oh, non, 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 mais finalement, non, c'est que tu la prends, tu la prends dedans. Je me demande lequel serait le pire. On est stagoré comme tu sais, rendu le nombre de balles. Oh, je pense que non, t'en meurs donc. Le coup de Kyoto, ça doit être le plus douloureux, je pense. Ouais, clairement. Ouh, la belle tête. Mais on est, tu meurs pas du tout. Mmh. Je sais pas, faut essayer, Drago, tu veux bien tester l'expérience. Non, désolé, je suis pas fini à fond, et de deux en plus. Clairement, c'est encore un bon match. Ah bon, ah merde, tristesse. Oh merde, je me prends des. Oh putain, super mal cette connerie. Deux. Bon, ça y est, le compteur s'est lancé plus tard ce coup là. Ah, bah tant mieux. De temps à comprendre que t'étais là. Je vois. Je sais pas c'est quoi qui t'a tiré dessus, mais waouh, comment c'est il t'a mis en arrière. C'est un lance-roquette. Ah ouais, ils rigolent pas les mecs. Bah ouais. Dégage l'alarme de merde là. Bon, c'est quoi que j'ai plus de munitions pour. Il y a le sniper d'un con là-bas. Bon, je vais éviter d'utiliser mes munitions contre le sniper. Je vais les garder pour le soldat lourd là. Mmh. Okay. Bah, est-ce que le coup de lance-roquette ça marche pas contre un sniper, contre le soldat lourd en une seule balle. C'est lui. Non, plus ouais. Les mecs ne m'ont toujours pas repéré là, hein. C'est. Ah, oh, ils sont doués, ils m'entendent déjà à côté. Hmm. Ça doit être des ours. Non, des chiens, des chiens. Des chiens. Des chiens, c'est plus bullshit que des ours. Ouais. What? Mais putain! Non, je sens que je vais cheater. Je sens que je vais cheater. Je sens que je vais cheater. Très fort. Génial. Donc, normalement, j'avais dit que je cheatais pas pour ce jeu, hein, mais bon. Fuck. J'ai déjà fini une fois, j'ai le droit. Donc, ce moment est insupportable. Far Cry 3, Trainer, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est la vie imitée. Voilà. Je pensais que, ça aurait été les mines. Non, la vie, ça. Ah, putain, non, il n'y a pas un monsieur anti-fun, là, pour Far Cry 3, je fais pas confiance aux... aux autres. Ouais. Mm-hmm. Far Cry 3, Trainer, monsieur anti-fun, voilà. Suffisait de demander. Infinite health, infinite ammo, no reload, infinite cash, infinite oxygène, ouais, pff, super, allons-y. Et infinite vie. Voilà, nickel, on prend ça, oui, il faut être, bon, je sais qu'il faut être inscrit sur ton forum, j'arrive. Pouf. Non, c'est pas ça mon mot de passe. Ok, c'est peut-être ça alors. Login. Non, c'est pas ça. Putain, c'est quoi? Oh là là. Ah, ça y est, la page est le bug. Putain, le... Non, mais sérieux? Mmh. Alors, le forum bug maintenant, hein? Ah ouais. Ouais. Super. Maintenant, pile quand j'ai besoin d'aller dessus et d'avoir le trainer, hein? Mmh. Ah ouais, ça bug maintenant. Re. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je suis en train de télécharger un trainer parce que cette mission de merde là où on te donne aucune arme et où tu te fais one shot, non merci. Voilà. Et c'est quoi cette mission de merde? Oh, en gros, c'est tout simple, hein. C'est genre, t'as Jason qui décide de sauver les prisonniers Rakiat alors que normalement il en a rien à branler, hein. Ouais. Voilà. Et puis bien sûr. J'avoue, parce que ce mec c'est un bipolaire, d'une mission à l'autre, il s'en bat les couilles et puis il en a quelque chose à foutre, il veut plus quitter l'île. Il est pas normal dans sa tête. Hein. Allez, voilà. Attends. Voilà. Alors, enregistré sous. Téléchargement, merci, t'es gentil. Putain. Voilà, enregistré sous téléchargement. Oui, je prends un trainer. Il y a qu'un seul cheat qui m'intéresse là actuellement. Parenthèse. Et c'est quoi? La vie illimitée. Je rush jusqu'à l'objectif et je m'en branle du reste.
Allez, Far Cry 3, version 1.05, DirectX 11 Trainer. Allez hop, c'est bon, j'ai pas envie de me faire chier. J'ai pas envie de recommencer la même mission 20 fois, hein, c'est bon, fuck. Allez, oui, Cheat Engine is trying to launch, vas-y. Nupi, je remercie Zetri. Hein. Si le soutien moral, c'est parce que franchement, j'ai vu que ça rentrait pas et que j'ai cheat activated. Monumental. Je peux te dire le soutien moral, il était vraiment besoin. Voilà, bon, on va voir si ça marche. Bon, on va laisser le mec me repérer et me tirer dessus, hein. Voilà, bonjour, essaye. Ouais, c'est gentil, mais ça marche pas. Bon, ok, ça marche, cool. Ok. Bon, j'ai juste besoin d'un fusil à pompe et de rocher dans les rangs ennemis. Ah oui, un fusil à pompe, rocher dans les rangs ennemis. Et d'ailleurs, moi, j'ai aussi pris l'option de ne pas avoir besoin de recharger. Hein. Oui, moi j'aurais pris pareil et j'aurais fait le lance-grenade, moi. What? Le Infinite Health, ça marche pas. Ah. Ça marche pas spécifiquement sur cette mission. Oh putain. Non, déconne. Spécialement sur la mission. Ouais. Attends, quoi? C'est une blague? Connard. C'est quoi cette blague? Voilà, bon. Bon, on réessaye, hein. F2. Cheat activated. Voilà. Et ça t'a dit de soutacler les tailles? Oui. Ah oui, là je l'ai bien entendu. Alors, quand je l'active, je suis constamment blessé. Et je prends des dégâts. Ouais, ouais, c'est ça. C'est quoi ce cheat à l'envers là? Ah oui. Oh, c'est de la merde. Tu vas avoir un écran moitié noir-blanc, c'est un peu chiant. Non mais c'est surtout que je meurs. Je peux pas me soigner et je meurs. Oui. Excuse-moi. Ah bah tiens, ça c'est sympa comme petite arme. Oui, à partir de maintenant, je cheat comme un porc, les gens. Hein. Oh putain. Oh, c'est sympa lui. Ouais, surtout quand t'as pas besoin de le recharger. Oui. Tu retires juste le recul et c'est parfait. Y'a pas de recul. Ah, mais c'est sympa. Non mais y'a pas de recul de base, hein. Regarde-moi ça. Tellement précis, cette saloperie. Une précision mortelle. Ah non, mais complètement, hein. Il manquerait plus qu'à ce qu'il puisse en tenir un dans chaque main, puis c'est bon. Je pense que ça doit être jouable. Enfin, je sais pas s'ils ont prévu ça, Edev. Non. Je sais pas. Moi, je sais, non, ils ont pas prévu de doubler. Ah. Ok, par contre, les munitions illimitées, ça marche, donc je vais aller récupérer le lance-roquette. Voilà. Ou le lance-grenade, c'est bien aussi. Lance-roquette, ça marche bien. Mm. Bonjour, j'ai des munitions de lance-roquettes illimitées. On joue? Youhou. On joue feu. J'étais obligé, c'est bien. Désolé. Merci, au revoir. D'autres amateurs? Oh, il y a le gros là-bas. Bon, tu pourrais t'éloigner par contre de l'hélico, s'il te plaît. Parce que bon. Je peux pas détruire l'hélico, je parie. Oui. J'adore le sniper qui me voit le viser avec un lance-roquette et ça l'impressionne pas. C'est genre, hé, hey, je vais peut-être mourir. Pas grave. Je m'en fous. Pas de problème. Voilà, allez, je me casse. Oui. Par contre, la roquette est juste passée entre les palmes de l'hélico et ça fait du bon. J'adore quand même le pilote de l'hélico qui a absolument pas compris, hein. Oui. Non mais attends, pourquoi je peux pas viser? Mais je peux pas viser!
Mais ça me laissait pas viser. Non, vous allez voir. C'est... Ah ouais, c'est quoi cette visée de merde? Mais ouais, c'est quoi cette merde? Oui, mais je crois que c'est obligatoire. Oui, et puis j'adore hein, le personnage qui apparaît de nulle part alors que j'avais buté l'intégralité de la base. Hein. Un coup de lance-roquette. Oui. D'ailleurs, vous savez quoi? Je crois que les cheats, je vais les laisser activer parce que fuck. Hein. Pourquoi se faire chier? Oui, charmant. Je veux dire, le jeu, je l'ai déjà fini. Hein. Ah ben tiens, Vas. Ça va? D'ailleurs, là, il a enfin un geste intelligent, Vas. Mais ça va pas marcher pour autant. Pour une fois. C'est dommage quand même. La définition. Non, parce qu'il se décide enfin à tirer une balle, mais au lieu de la tirer dans la tête, hein, et que la tire dans le cœur. Et encore, je crois qu'il l'a raté. Non, mais moi j'aurais été Vas. Bon, je le chope une fois, j'essaie de le tuer dans un incendie, ça marche pas. La deuxième fois, je sors mon gun et je lui tire une balle en tes deux yeux, hein. Oui, c'est ça. Sérieusement. Je vide un chargeur dans son corps, tout simplement. Je vide un chargeur dans la tête et ensuite je la coupe. Hein, là je lui dis vas-y, relève-toi. Là, tu te relèves, putain. C'est peut-être moi, mais le briquet il devrait pas juste exploser. De? Bah, le briquet qui protège. Ah oui, je savais plus que c'était un briquet, mais bon, on s'en fout, hein, c'est dans notre jeu vidéo. Ouais. C'est pas du spoil, hein, ça va chuter. Oui, ça vient d'arriver maintenant. Ah oui. Et puis il a popé de où ce briquet aussi? Oui, il avait jamais eu de briquet, je veux dire, Jason ne fume pas. J'adore ce truc qui te font au QTE alors que ça pourrait très bien se faire, mais... En cinématique. Voilà. Non, parce que c'est juste chiant. Hein. Je me demande s'ils se disent que s'ils font pas de QTE, l'attention des joueurs, elle va pas... Elle va pas tenir. C'est ça. Non mais en fait, je crois qu'ils croient qu'on est des personnes qui n'aiment pas au bout de 5 secondes. Voilà. Mais bon. Il revient totalement d'entre les morts. D'ailleurs, Denis qui devient un vrai connard à la fin. Hein. D'ailleurs, j'adore parce que Vas te tire une balle dans le cœur, mais c'est pas qu'il vérifierait si t'es bien mort. Hein. Non. Sérieusement. La chance te sourit, mon ami. Qui est-ce qui a fait tout ça? Vas, c'était en hommage à ta mort. Mais surtout pour plaire à Rod. Je suis loin d'être mort. Préviens Citra que j'arrive. Ok, je vais lui dire tout de suite. D'ailleurs, là, je suis sur la deuxième île. Non, 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 parce que c'est l'agent machin là qui t'y emmène en avion. Ah oui, c'est vrai. Et il te donne le wingsuit. Ça, c'est bien. Oui, la wingsuit, elle est bien. C'est ça. Moi, je l'ai utilisé qu'une seule fois, d'ailleurs. D'ailleurs, j'adore le jeu qui te fait pop à côté d'un cœur ennemi, de nouveau, hein. Sans te donner d'armes. Je veux dire, là, y a pas d'excuse, Denis. Par contre, j'aimerais juste demander quelque chose. Comment ça se fait que Jason il est sorti d'un tout petit tas de cadavres alors que visiblement il y avait bien une centaine de cadavres sur lui, quoi? Oui. Oui, c'est ça. Non, mais t'inquiète pas, moi aussi, la première fois que j'ai fait le jeu, je t'en... Non, ça n'est pas possible. Le tout petit tas de cadavres là, non, le mec là il en avait quand même une bonne dizaine sur sa tronche. Oui, surtout avec ça, il n'y a même pas de lumière qui passait donc. Vraiment il y en avoir beaucoup. Non mais ils sont l'IA de ce jeu, mais c'est... prodigieux. C'est grand hein, t'as vu où je suis passé? Oui. Oui. C'est à côté d'eux hein, les mecs ils t'ont pas vu hein, mon dieu. Où est-il passé? Oh tu vas lui passer dans les... Salut. Alors là je vais m'amuser avec cette arme là. Oh oui. C'est quoi? Voilà, faut le voir. Du C4. Ah, oui. Du C4. Le pire ennemi de Drago. Je sais pas le lancer. Quand je le lance, moi ça tombe à mes pieds et je meurs. Oui, un peu comme je viens de faire, sauf que je suis pas mort. Ouais. Bon, les chiens.
on arrête de faire chier. Merci. Voilà. J'adore parce que je connais tellement bien l'univers des jeux vidéo que je sais exactement quelle est la safe zone. Hein. C'est-à-dire la safe zone pour faire péter ton C4 pour perdre quasiment toute ta vie. Hein. Mais pas toute. C'est beau. Bon, allez. T'es quand même 900 C4 hein, sur toi. Oui, oui, non, mais ça, c'est parce que j'utilise le cheat. Oui, je sais, mais je veux dire, c'est. Mais j'imagine le mec qui doit tellement être en mode. Ouais, clairement. Le bien, c'est qu'il aurait juste à se prendre une balle, c'est bon. Ouais. Bon, bah, on notera que. Ah, d'accord, je viens de désintégrer son corps. Ok. Oui, parce que je. Ah, oui. Non, mais il y avait son arme là dans le coin, j'ai vu l'espace d'une seconde, elle est où? Bon, ok, c'est pas grave. Ça, faut dire que tu voulais bien l'achever, hein, le mec. Ouais, ouais. Tu es sûr. C'est sûr que là, putain, si le mec il se relève, je veux même pas savoir comment il fait. Ah oui, clairement. Jason Brody, c'est une tapette comparé à lui là. Oui. Oui. Mais moi, c'est, en fait. La première fois que j'ai joué au jeu, le nombre de fois où Jason survit, j'étais explosé de rire parce que pour moi, c'est, j'étais en mode, attendez, c'est un sketch là. Hein. Oui, c'est ça, le mec survit à tout et n'importe quoi, c'est. Venom. Voilà, c'est ça. Non, mais sérieusement, j'étais en mode, mais mec, vérifie qu'il est mort, je suis pas du côté des méchants, mais quand même. Hein. Super, bon, j'ai récupéré mes armes visiblement. Là, c'est pas Venom, c'est. Vas. Voilà. Quelqu'un a briqué, non, mais ça peut pas arrêter une balle là. Il faudrait plus fort quand même là. Tiens, d'ailleurs, j'ai aussi le cheat infinite skill points. Cheat activated. On va se gêner, tiens. D'ailleurs, j'ai fait quoi là? J'ai appuyé sur F11, ça a fait quoi? Ah, c'était le chargement de la sauvegarde. Ok. Ouais, bah cool. Donc, mes compétences. Ah oui, effectivement, point de compétence disponible, 99. Bon, bah, on va tout mettre, hein. Oui, non, j'en ai rien à foutre, les gens, je cheat. Hein, c'est. Nazis, s'en bat les couilles. Le legit, je m'en branle. Bah, quand le jeu est écrit à la bouche, clairement. Non, mais c'est surtout que le jeu, je l'ai déjà fini, alors pour moi, j'ai le droit de cheater, hein. Bon, moi, j'ai déjà terminé, donc je m'en fous. Moi aussi, je l'ai fini des dizaines de fois. Je l'ai fini qu'une fois, hein, mais bon, je m'en fous. Une fois, ça me suffit largement pour un jeu. Sauf pour les jeux où est-ce que je vais vraiment adorer. Ah non, moi, pas franchement, il m'avait beaucoup plus celui-là. Moi, je l'avais fini en toutes les difficultés, je m'étais emmerdé à faire le trophée de platine. Ensuite, Hoyt. Oui, quand même. Non, mais Denis, toi, t'es une merde. Sérieusement, hein. Denis en mode tu racontes n'importe quoi. Même moi j'en serais incapable. Oui, excuse-moi, tes talents de combat, tu les as prouvés quand? Hein? Juste comme ça. Mec, il vient jamais, il est juste là. Le Denis, mec... la seule fois où tu le vois tuer quelqu'un, c'est la mauvaise personne. Oui. C'est ça. C'est ça le plus drôle en plus. Oui, le pire c'est que c'est vrai en plus. Le mec en mode je suis un grand guerrier. Non. Je suis un ganglé, je sais pas foutu de faire un. Je suis un grand crétin qui s'est pas visé surtout. C'est ça. Non, et puis moi, c'est que. Bon, non, je peux pas en parler, ce serait du spoil. Hein. Ouais. C'est surtout l'espèce non, de sous-intrigue avec Denis là qui pète un plomb parce que. Oh mon dieu, elle t'a choisi. Oui, ça semblait assez évident depuis le départ, connard. Hein. Je suis le héros du jeu, mec, tu peux pas tester. Voilà. Oui, excusez-moi, j'aimerais passer les abrutis là. Gentil, merci. Lui, je lui ai complètement coupé son dialogue. Il m'a fait je suis passé trop vite. J'ai même pas le droit de parler. Voilà, du coup, il a pas su quoi faire. Non, mais Citra, voilà, tu peux m'attendre plus proche de l'entrée du temple la prochaine fois. Laissez-nous. Eh, c'est le moment du boss là. Avec Vass. Non, pas avec Vass, avec le géant. Voilà. Ouais, bon, rien à foutre, j'ai des munitions illimitées, il va pas durer longtemps. Ah, mais hein. Les munitions sont déjà illimitées, mais tu te bats avec l'arc et les flèches explosives. C'est de la merde. Bah non, c'est sympa, moi j'ai bien aimé, franchement. Moi aussi, honnêtement. Ah, cool, j'adore comment cette fille remue du cul, mais par contre, pourquoi cette coiffure, quoi? Oui, mon dieu, cette coiffure fait aucun sens. C'est un tue-l'amour, mais... Il est tellement puissant. Seuls les plus forts peuvent. J'adore. Ouais, ouais, c'est un poison bien. Pour les faibles. Seuls les plus forts peuvent y survivre. Mm-hmm. Je crois qu'il y a de nombreux chimistes qui seraient pas d'accord avec toi. Un poison, c'est un poison. Point. C'est ça.
Et puis de toute manière, qui survivent, c'est-à-dire que tu le croirais plus tard, ça, non? Et moi, ce qui m'avait fait rire, tu sais, c'était que la musique, elle était faite par Skrillex. Ah ouais? Du coup, il y avait un de mes potes qui avait dit, bah, ils ont pris sa coupe de cheveux, mais version femme. C'est pas faux. Mais autant ouais. Sur Skrillex, ça va, hein. Ouais, mais sur une bonne femme, ça le fait pas. Non. Vous voulez bien me laisser partir? Bon. Non, mais attends, non, j'aime pas. Non, ça se passe. Oui, non, mais je m'en branle là. Est-ce que je peux continuer le jeu? Je veux dire, sans vos délires chelou hippie en drogue là. Oui, non, j'ai jamais compris c'est quoi ce délire en fait. Oui. Hein. Genre, hey, pour être plus fort, tu vas manger du sanglier, tu vas vomir ton. Tu vas vomir des arcs-en-ciel et puis seulement tu seras plus fort. Voilà. Et tu vas aussi essayer de te suicider 5 fois d'affilée. Oui, 5 d'affilée, oui. Et tu vas crever aussi sur mon frère qui est un gros dégénéré. Voilà. Qui sait pas. Votre destin, il doit s'accomplir d'un coup. Qui sait pas vérifier que t'es bien mort. C'est quoi cette espèce de truc? Je sais pas, je sais juste qu'il faut lui tirer dans la gueule. C'est le géant qui parlait à la personne. D'accord, en tout cas vu qu'il crache de la bouche, je te raconte pas la laine. Hein. Oui. En plus il fait même pas tant mal que ça. Hein. Non, il fait pas mal du tout. C'est juste ce petit boss pour dire, hey, regarde, il est très dangereux. C'est un boss impressionnant, mais... Je crois qu'il n'y a pas une deuxième phase ou une connerie dans le genre, normalement. Oui, d'ailleurs, je comprends pas ce que je dois faire, là. Ah voilà, d'accord. Tu dois les cuter, je crois. Ah bon, d'accord. Parce que me semblait bien qu'il y a des petits ennemis après, mais... Oui, non, bah alors là, je veux dire... Je sais pas si c'était un bug graphique, mais je voyais rien, c'était tout noir. Ah oui. Si, tu dois les cuter. Quoi, ça recommence depuis le début du combat de boss? Oui. Bah, il faut les cuter, oui. Non mais, putain, merde, checkpoint après le boss, quoi. Oui, clairement. Fuck. Ah, mais c'était la première partie du boss, puis en fait c'est un espèce de truc qui se casse la vitesse du boss. Ah, c'est juste histoire d'essayer de le faire durer plus longtemps le boss, oui, quoi. Ça. Voilà. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça m'a fait chier de manger. Non, il est en pas trop longtemps, c'est sympa ce truc. Bah non, parce que moi je trouve que vu la taille du truc, je trouve ça sympa. Oui. Non, mais il est sympa. Non mais je me dirais si je le tue en 30 secondes, ça peut me faire chier. Oh putain, c'est parce que j'étais un abruti, que je faisais ma voix, qu'on avait compris. Non mais c'est possible. Marc, je le tue tout ça. En même temps, là, il n'y a pas besoin de le tuer. Non, ce qui te donne les flèches illimitées de toute façon. Heureusement, vu la taille du machin. Tu vas la fermer ta grande gueule, oui. Bah, j'ai pas, mais au lance-roquette, en tout cas, ça ira vachement plus vite. Oui. En mode, tiens, on t'a donné des flèches explosives. Ah ouais, c'est cool. J'avais un lance-roquette avant. Oh, regardez-moi mon lance-roquette, bordel. Ouais, il paraît qu'il faut les cutter. Moi, j'ai pas envie. Je veux dire, vu que ça te montre quand il te repère, tu sais exactement où tirer. C'est beau, hein? Même, il y a le radar. Ah oui. Sur le radar, ça les monte. T'es malade, hein? Oui, un peu. Mais non, plus, il fait vraiment... Quand il appuie son masque, il fait vraiment la mort. Oui. Ouah, mais putain. Je déteste ça, les boss, où quand t'es en train de viser, tu peux pas éviter ses coups. T'es obligé de courir comme un demeuré. Mais arrête de viser, espèce de débile! Oh putain. Ouais, j'adore le boss, sa deuxième phase est plus facile que sa première. C'est beau, hein? Bah en fait, dans la logique des choses, c'est plutôt logique. Non,
Non, non, dans tous les boss de jeux vidéo, normalement la deuxième phase est plus dure. Bah oui, mais je veux dire dans la logique humaine. Donc tu ramasses sur ta gueule, mais après t'es plus fort. Bah oui. Mais bon, hein, on n'est pas dans la logique humaine là, puis ce truc là est pas vraiment humain. Mais ce délire sous acide est vachement classe. Oui. D'ailleurs, Il me fait penser au Ghost Rider perso. Avec des dreadlocks. Ah oui, d'accord, le guerrier brandit sa dague et trancha la tête d'un geste net et précis. Non, mais attends, là, c'est pas juste un geste qu'il va falloir. Hein. Non, là, ça va être pour une seule mortelle. Et surtout avec une dague. Oui. Bon, là, c'est avec un grillot de merde. Avec une épée longue. Avec l'épée de Sephiroth, si tu veux. Oui, une épée longue. Avec l'épée de Sephiroth, si tu veux, mais alors avec la dague de Jason, va te faire foutre. Oui, oui, c'est ça. Voilà la scène de cul que je vais devoir censurer pour la rediff. Parce que YouTube laissera jamais passer les ça. Pauvres. Il sera pas passé les boobs. Oh, je vais devoir mettre une bande noire sur les boobs parce que contenu à caractère sexuel. Voilà, merci YouTube. Voilà, estimez-vous heureux, gens du live. Putain, mais le délire de montage que je vais devoir faire pour foutre une bande noire. Je crois que je vais en avoir rien à foutre, puis je vais laisser comme ça. Tu mets une mini-bande noire sur les deux tétons. Aussi. Sinon, là, la première question que je me suis posée, moi, quand j'ai fait ce jeu pour la première fois, je me suis dit, techniquement, c'est pas un viol. Si, carrément. Totalement, c'est du viol, hein. Non, si. Si, si. Techniquement, si. Moi, j'imagine bien, j'imagine bien, nana, tu es un racket. Et puis là, t'as Jason qui répond « Et toi, tu vas bientôt être en état d'arrestation. C'est un viol !» Par contre, quand elle lui a pris le bras, je pensais qu'elle prenait autre chose. Oui. Quoi ? Je suis désolé, regardez bien, on dirait qu'elle prend... Attends, non, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec Lina, mais carrément... c'est un viol. Si c'est un viol, le mec il a carrément la bite à l'air devant les mecs. Voilà. Là oui, là le mec il a carrément la bite à l'air en mode je veux, on se battra pour la gloire. Et t'as tout le monde qui regarde sa bite et le mec il est en mode ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah oui. Merde. Non mais c'est surtout que, attends, elle était en train de le faire alors qu'il y avait 4 clampins qui regardaient sur le côté. Oui. Pardon. Non, pas 4, hein, pas 4, il y avait toute une armée. Ouais. Voilà, j'ai dû pas voir les autres. J'ai juste vu les deux trois premiers qu'ils étaient debout au début. J'imagine, en fait non, le mec il remarque pas, il fait juste il fait Ah dis donc, il fait un peu froid hein. L'air sort et... Bah non, il sort d'un endroit chaud donc ça va. Ah, alors, oui. Compétence... Eh, effectivement oui, il y a bah, du justement. Monde qui a regardé quoi. Justement. S'il sort d'un endroit chaud, après il doit vraiment avoir froid s'il a... Oui. Surtout que ça doit être un petit peu mouillé, du coup ça doit vraiment faire froid. Enfin, pas qu'un petit peu, bon. J'adore parce que même avec les points de compétences illimités, bah, c'est comme dans tous les jeux, tu pourras jamais avoir toutes les compétences du premier coup parce que le jeu les bloque. Là, il faut attendre la fin. Voilà. Faut attendre qu'elle se débloque et je déteste quand un jeu fait ça. Si j'ai assez de points de compétences, j'achète toutes les compétences et tu me fais pas chier le jeu, ok? Ouais. Oui, complètement. Mais d'ailleurs, attendre la fin pour avoir ses compétences, ouais. Bah, ça fait pas ça dans tous les jeux, hein, non plus. Oui, je sais. D'ailleurs, c'est encore intéressant quand ça le fait pas. Ouais, sinon ça va devenir très chiant. Oh. C'est Jason Brody. Salut. C'est peut-être Jason Brody, mais toi t'es mort au Brody, connard. Ok. Oh là. Ça fait de mon hein, sérieux. Le mec il a fait c'est Jason Brody au lieu de me tirer dessus, donc moi je sais pas, j'aurais pas fait c'est Jason Brody hein. Bonjour, enfin, excusez-moi. Directement et ensuite t'aurais dit que c'était Jason Brody. T'aurais dit voilà. C'était Jason Brody. C'était Jason Brody. Et je l'ai tué finalement. Pourquoi Vas il avait autant de mal? T'imagines le truc. Le soldat de merde qui le tue, puis le mec en mode. Pourquoi Vas il avait du mal comme ça en fait? Y'a Cliff qui dit qu'on parle loin. Bah en même temps, si on était chiant, ce serait pas aussi drôle à regarder. Hein. Non mais moi j'imagine trop, tu sais, le pauvre mec à la con qui a réussi à tuer Jason qui revient vers Vas en mode Jason ne sera plus une menace. Et t'as Vas en mode comment t'as fait, j'ai essayé de le tuer trois fois, bah moi j'ai vérifié qu'il était mort.
Ah oui. Et là, ta main en mode. Ah oui. Ah oui. Ah tiens. Dans la gueule. Ah, ça aurait été con. Ah, c'est pas con ça. Putain, vérifie les canards. J'ai un soldat intelligent. Merde alors. Plus intelligent que moi, dis donc. Vite. D'ailleurs, au passage, en fait, moi je suis désolé. Oui. Moi je reste bloqué sur le mec avec la bite à l'air devant les 10 000 mecs. Oui, oui. Ah, et puis surtout, comment on rentre dans cette saloperie de base là, je me souviens plus. Moi. J'imagine trop de ces les différentes réactions. Y'a pas un qui est au courant qu'il a la bite à l'air. Joli poil. Non, et puis surtout, moi ce que j'adore, c'est que tout le monde est en train de mater pendant que Citra baisait, hein, ça va. Oui, c'est ce que j'ai cité. Moi j'imagine trop Citra qui se retourne en mode oh, le discours c'est pas tout de suite. Hein. Pourriez partir. Ou bien alors, c'est vous là, ça m'excite. Mais je sais pas du tout comment rentrer là-dedans, hein. Je crois d'ailleurs que la première fois, j'avais galéré tout autant pour trouver l'entrée. Y'a pas une voiture qui peut... avec un portail. Je sais pas. Pas un véhicule qui... Je sais pas, c'est le premier camp que je vois où il y a vraiment une barrière autour. Ça aurait été intelligent pour le reste, mais bon. Ah, grimper, voilà, c'est là. Ah bah d'accord. Ah voilà. La vie, c'est vrai. Ouah, super, ils se font des striptease et tout, ok. Classique. Excusez-moi, je récupère l'argent. Merci beaucoup. Ok, d'accord, bon, comment je... Ah voilà, maintenez E pour interagir. Bon, ça va chier bientôt, les mecs. Surprise, petit enfoiré. Vous croyez que je savais pas que tu venais, hein? Putain de déception! Si prometteur. Sinon, ce mec. Oui? Ce mec, il est toujours en train d'attendre Jason, quelque part. Oui? Oui, c'est ça. C'est tout ce qu'il fait dans sa vie. Non, mais génial! Tu dois attendre un endroit précis pendant pas mal de temps. J'espère que tu vas passer un jour. J'imagine trop le mec en mode. Putain, mais je dois la. Il faut que j'attende. Et puis c'est là. Tu vas de l'attendre aux toilettes pour pouvoir pisser. Bon, je suis mort. C'est officiel. Non, même pas. D'accord, j'ai cru. J'adore le mec. Jason, tu viens me faire chier chez moi, saloperie de vendu, espèce de cramure. Bah, tu m'aurais pas kidnappé à la base. Tu m'aurais laissé me partir, tu m'aurais rendu mon frère, ben on serait parti en bon terme. Oui, je t'aurais pas fait chier, hein. J'adore la puissance de cette mitrailleuse, quoi, elle est... Et il y en a une encore plus puissante après. D'ailleurs, j'ai libéré le tigre, je crois. Voilà. Ah oh, joli lancé mec, je n'ai que ça à dire. Sinon, juste vu que ça va être le combat contre Zas, je trouve qu'ils auraient dû faire le combat de ces styles en QTE. Oui. Comme le trois quarts des combats. Ok, c'est pas vraiment passionnant, mais au moins c'est vraiment sympa à regarder. Oui. Oui, comparé à ce qu'on a eu, c'est clair. Oui, non, surtout comparé à ce qu'il va y avoir comme combat, hein, c'est... C'est ça. Parce que Oi, voilà. On tue en QTE, Buck on tue en QTE, mais pas Vas. Oui, d'ailleurs, je trouve que Vas aurait dû être le boss final. Hein. Je veux dire, Oi, t'en as rien à branler. Hein. Non, mais c'est ça, le mec, le pire, c'est que même à la fin du jeu, t'en as rien à foutre sauf quand t'arrives devant lui. Hein. Oui. C'est ça. Bon, j'avoue, les gens, j'y vais un peu trop à la bourrine là. Hein. J'ai juste envie d'arriver au combat contre Vas. Aussi j'ai un truc que je oui non je peux pas tu demander lag. Ça parce que c'est de... Oui on t'entend plus là tu lag. Oui non j'ai remarqué. Vas, où es-tu? Vous m'entendez là? Oui. Ok génial. Truc, mais c'est du coup je te demanderai après.
Non mais regarde-moi ça, le mec, il est pas foutu d'être loyal jusqu'à la fin, hein. C'est bon. Et d'ailleurs là, comment on est passé devant Vaas sans le voir? Là où il était, techniquement, c'est impossible, hein. Mais c'est surtout, c'est quoi son délire à ce mec à se cacher dans les encadrures des portes, quoi? Oui. C'est ça. Ça me fait limite penser aux portes, aux potes un petit peu relou, c'est qu'ils se cachent derrière les portes pour faire BOUM. Voilà. Écoute, toi, ce qui me fait chier, c'est chiant, là. Tu fais contrepoint. Non, arrête. C'est pas intéressant. Mais non. Le truc, c'est que là-haut, Kate, c'est sérieusement. Et maintenant. Ok, on se tape nous un délire à l'acide, hein, parce qu'ils adorent ça. Bah, visiblement, c'est ça. Visiblement, ils ont l'air bien aimés. Hein, ouais, j'aime bien confirmer les choses. Je veux dire, moi je bois ce délire à l'acide, mais est-ce que Vaas le voit aussi? Je vous pose la question. Voilà, tu m'as demandé, pas de soucis. D'ailleurs, ce passage va être beaucoup moins chiant maintenant que j'ai pas besoin de recharger, en fait. Enfin, c'était surtout ça qui te tuait dans ce passage, hein. Non, moi ce que je trouve qui aurait été classe, ça aurait été vraiment un combat où il tire dessus, et à la fin, bah, t'as Vaas qui lui dit vas-y, tire. Oui, c'est ça, il te fout au début. Hein. Oui. À la fin, ça aurait été classe. Oui. C'est quoi cet endroit nul où, oui, non, ça a chié, hein, je te rassure. C'est le combat de boss contre Vaas. Et je te rassure, normalement, c'est beaucoup plus dur, mais comme j'ai pas besoin de recharger, hein. Parce que normalement, c'est la recharge qui te tue, hein. Faut tellement avoir un timing de ouf pour pouvoir les tuer. Ah, le Vector, ça c'est ma langue préférée. Alors. Ouais. Ça c'est joli quand même, j'avoue. Ce petit finish là, il est joli. Voilà. Et franchement, c'est... Pour moi, à ce moment-là, la première fois que j'ai joué au jeu, c'est à peu près à ce moment-là que le jeu a commencé à perdre environ 50% de son intérêt. Oui, parce que... Le méchant charismatique qui meurt à la moitié du jeu, c'est vrai que ça... Oui, ça, je me suis dit, bah là, c'est la fin du jeu. Non, ah, puis c'est là que... Oui, mais moi aussi, j'étais persuadé que c'était la fin du jeu, là. Hein. J'ai adoré ces yeux qui te regardent d'un coup. Oui. Oui, bonjour. Tu vas bien? Tu veux voir ma bite? Une dernière fois. C'est la dernière fois que j'aurais du sang qui descend là-bas. C'est ça. Non mais je veux dire le finish sur Vaas, il est cool. Mais le combat de boss contre Vaas, ça pue la flemme. Sérieusement. Ah oui, c'est les mecs qui sont du coup. Encore la flemme, ça sent moins fort que ça. Les mecs, ils avaient pas envie et ça se sent, quoi. Ça, ils sont pas fait chier. C'est surtout... Attends, t'as tué le grand méchant qui te fait chier depuis le début. Pourquoi continuer? Oui. Bah oui, c'est ça, je veux dire. Oui, parce que je veux dire, Hoyt, littéralement, on a rien contre lui, hein. Ouais. Je veux dire, ouais, c'est Vaas qui a tué ton frère. T'as eu ta vengeance, casse-toi. Tous tes potes sont là-bas. Oui. T'as eu où? Tu t'en fous? Ben, après, quand tu continues l'histoire, heureusement, oui, mais... t'es resté, finalement, mais... si t'écoutes Kiss... Bah c'est foutu, tu peux déjà te casser. Oui. Oui non c'est ça, parce que tu le sais pas. Donc non, ça marche pas. Et merde, tu as payé la fin du jeu, connard. Non, j'ai pas... Non, moi. Pas grave. Oui, bah... Non, t'as pas spoilé. De toute façon, les gens, je vous spoil tout de suite. À la fin, on a le choix entre repartir avec nos potes ou rester avec Citra. Et je vous le dis tout de suite, je vais repartir avec mes potes. Parce que merde, on s'est pas fait chier à faire tout ça pour tuer nos potes à la fin. Pour rester avec la gonzesse qui t'a violé, quoi. Voilà. Qui te drogue tout le temps. Le pire, c'est que si tu restais ami, pourquoi pas. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est. Moi, j'adore ce choix. Tu as le choix. Tu peux soit vivre ici parmi les animaux sauvages qui manquent de tuer à tout moment sans technologie, soit retourner chez toi avec internet, un travail et une vie confortable. J'hésite. Tout en tuant bien entendu tes amis. Voilà. Et ton petit frère que tu as galéré à retrouver. Voilà. Ah oui, non, c'est ça. Moi, non, et ça, ton ça petit frère fait... surtout que t'as galéré à sniper la moitié d'une base pour qu'il puisse s'enfuir. Hein. C'est ça. Clairement le choix il est bon, rôle de l'autre. Clairement. Putain, Dark... par contre ça c'est un passage que j'ai trouvé assez difficile à faire dans le jeu.
Oui. Je peux dire, moi, si j'étais à la place de Jason, j'aurais pas su. C'est au moment où il doit torturer son frère pour faire croire qu'il est loyal. Oui. Oui, ça, c'est waouh. Oui, ça, c'est... C'est waouh. C'est une non, mais j'adore Citra qui est déjà en train d'essayer de te convaincre de rester, alors que moi, dans ma tête, c'est déjà... Va chier. Va chier. Va chier. Je me casse à la fin du jeu, moi. Puis de toute façon, que tu choisisses de rester ou de te casser, tu peux rester pour faire les quêtes secondaires inachevées. Chose c'est que surtout je... naze en plus. L'autre en plus, si tu le fais, naze, tu devras censurer beaucoup plus parce qu'il y a vraiment une grosse scène de cul si tu choisis de rester avec Citra. Ah bon ? Oui, non, je l'ai jamais vu la fin avec Citra et sérieusement, j'ai pas envie de la voir parce que je trouve que cette deuxième fin où tu restes avec Citra ne devrait même pas exister. Claire, oui, là-dessus, je suis d'accord. Non, parce que, je veux dire, c'est quoi ce revirement de personnalité de Jason, quoi ? Sérieux, où le mec tout d'un coup il se prend pour un guerrier et tout, qui peut sauver un peuple? Non mec, t'es juste là pour sauver tes potes. Je pense pas que... Il a quel âge Jason? Il a quel âge? Hein, on va dire... 24 ans. Voilà, il a 24 ans. Donc après 24 ans de vie confortable aux États-Unis et visiblement ils ont du fric. Hein, ça se voit. Parce que... Oui, ce sont des friqués. Hein. Voilà, ce sont des friqués. Donc après 24 ans de vie riche et confortable... Tout d'un coup, tu dois vivre à la dure et tuer des bestioles sauvages pour survivre et t'aimes ça ? J'y crois pas une seconde, hein. J'y crois pas une seconde. Abandonner ton confort pour aller vivre dans la nature, non, surtout si t'es riche, hein. Bon, allez, c'est bref. Surtout qu'en plus, si tu choisis de rester avec Citra, elle te tue, cette pute. Voilà. Oui, c'est ça. Et toi, mais attends, mais tu... Pendant tu, qu'elle tu te baise, hein. Quelle grognasse. Tu m'occupes déjà ? Denis, Tu pars en mission pour Citra ? Bon, on va finir de parler avec cette espèce d'abruti alcoolique, là, et puis... C'est qui l'abruti alcoolique ? Ah, Denis. D'ailleurs, pourquoi il a une dent qui est verte ? Jamais remarqué. Maintenant que j'ai vu ça, j'arrête pas de le voir. Est-ce que tu sais que... Tu sais, c'est comme les poils de nez, là, dans le film avec Dragon Ball, là, le film live. Tu sais, c'est le genre de truc, une fois que tu l'as vu, tu peux plus t'empêcher de le voir. Là aussi, c'est pareil. C'est un bug graphique ou quoi ? C'est vrai, oui. Je sais pas, moi j'ai pas vu. Moi non plus, je vois pas venir. Ah non, mais tu vas voir, hein. Il a une dent qui est verte. De mon accent. C'est la salade. Et le patron, il me donnait un plus petit salaire aux autres mécanos qui étaient moins compétents. Moi. Moi qui ai grandi parmi l'élite du Liberia. On me traitait comme un sous-homme. Mais je sais qui je suis. J'adore le mec en mode, on n'est pas si différent que ça, toi et moi. Si, on est totalement différent. Je veux dire, t'as travaillé comme mécano avec un salaire de misère et moi je suis un friqué. C'est pas la définition même de la différence. Sérieusement? Elle est avec moi. Non, on va voir. Il parle beaucoup. Je te souhaite de faire fortune. Enfin, d'accomplir ta mission. Fais voir ta dent verte là. J'en voudrais une autre. Fais voir ta dent verte, s'il te plaît. Je vais la montrer. Ça, franchement, je veux bien voir, Naz, parce que moi, j'ai. Non, mais il est tourné dans l'ombre là, cet abruti, puis il ferme la bouche en plus. Ah, je sais pas, alors, regarde le live en HD, tu la verras. Tu, une fois que tu vois ça, tu vois que ça. Enfin, bref, voilà, on va sauvegarder là. Et on va s'arrêter là. Voilà les gens, cette vidéo vous a plu, pour laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori, tout ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit. Donc c'était Nazvan, Drago, Shiro et Zetri. Yo les gens. Voilà. Bye. Voilà, pour vous servir. Allez, bye.